Depuis après gros événement 6-7 juillet 2018, yo, côté opposition politique pour y gâter, qui te gen nan tête li André Michel ak akolit li yo, te choisi volontairement multiplier gang, multiplier bandi en dedans pays. Yo. Eh bien, en pile moun te gen tan wè, gen yon génocide ka préparé ou bien yon guerre civile ka préparé. Effectivement, journée jodi an nou face avec propre réalité nou. Haïtien qui nan en Haïti pa ka rete nan pays ou à cause gang, à cause bandi. Haïtien qui nan diaspora pa ka rentre en Haïti à cause gang, à cause bandi. Finalement, ça André Michel ak opposition politique la tap chèche ya, yo joine ni, yo sou pouvoir yo. Mais eskò konnen, nan moment n'a parlé à la, à cause situation gang, à cause situation bandi. Et surtout après passage délégation pays Kenya en Haïti, gen gros remaniement, gen pile changement administratif qu'a fait en dedans PNH. Et bien nous pral ba ou détail puisque en pile moun fait konnen c'est bluff, c'est maniguet, pas gen rien qu'a préparé vrai. Dans ça qui gen pouwe avec sécurité que PNH a préparé, a proposé sous table, mais plutôt c'est délégation pays Kenya qui t'a mandé nèg yo pour faire remaniement en dedans PNH. Nous pral ba ou détail nan dossier si la. En 2005, Assemblée générale Nations Unies t'a introduit dans système Nations Unies obligation pour l'état protéger population, pour chaque état protéger population. Nous pral gagner pour nous font gros chita parler avec dans dossier si la puisque en dedans responsabilité que chaque pays gagne pour protéger population, eh bien on dirait que Nations Unies ferme géo dans ça qui concerne Haïti avec population là. Gagné Guy Philippe en 2004, il y a pile monde qui était présenté Guy Philippe comme un révolutionnaire qui était arrivé libérer pays en bakrif Aristide avec famille Lavalas. Gen lot moun ki dou Guy Philippe se yon mercenaire lié à cause coup d'état li participer pour bail Lavalas. Guy Philippe ancien sénateur Grandance qui passait près de 7 ans en prison aux États-Unis, eh bien Guy Philippe li annoncé la retourner là sous sol la 7 septembre k'ap gen pour venir là, mais c'est pas seulement ça. Guy Philippe gagne en pile ambition politique, nous pral gagner pour nous partager avec vous déclaration Guy Philippe. Bonjour bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour moi avec vous dans l'émission pour l'homme, mon éditorial avec Yannick, pour nous porter information pour vous dans l'idée pour être connecté à tout petit détail qui domine l'actualité. Si vous êtes tombé sur ce channel, pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou pas prater aucun vidéo n'a pas gagné et pour nous poster puisque nous là pour nous informer ou nous là pour nous voir tout ça qui a passé en dedans la République. Et je me t'ai annoncé dans commencement et émission hein, et bien dans moment là gagné en pile disposition qui prend gagné en pile changement qui a fait dans police nationale d'Haïti. Donc on a gagné une délégation qui était sortie dans le pays Kenya, qui est rentré à Haïti depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, il a fait 3 jours à travailler avec PNH, il a consulté, il a fait expertise, etc. Dans l'idée en prélude avec une force multinationale qui a gagné pour déployer en Haïti. Bien que nous apprenons, et d'ici septembre, cap gen pour venir là, mi-septembre, et dossier haïtien a gagné pour le passer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui ça a fait, qui ça pral fait, nous là, nous suivons. En pile, moun a couru quitter la kayo, en pile haïtien, pas qu'à vivre dans le pays, yo. Moun ka sou feuille, pas qu'à arrêter la kayo, département l'ouest, gangrené, gangsterisé net avec negaxam, avec bandi. Mais nous pas oublier, multiplication gang, multiplication bandit en dedans pays, li gen yon moun dèl, li gen yon groupe moun dèl, li gen yon idéologie politique qui entoure l. C'est pas un bon maton ni kreto dans de gen gang gen bandit. Tout bandit sa yo gen yon main caché, yo gen yon moun kap instrumentalize yo. Si n'a pas retourné en 2018 avec mouvement pays lok que opposition politique sous Jovenel Moïse yo te mette campé en dedans la République, c'est youn nan initiative que nèg opposition politique yo te prend
qui fait pays en plus mal. Et dans l'opposition politique, ça, nous avons André Michel, Lenel Kassi, Ricard Pierre qui est dans le pouvoir, Majorie Michel, nous avons Fusion, nous avons Yuri La Tortue qui était là dans un paquet. Nous connaissons sous Jovenel Moïse, Mounsa qui était dans l'opposition qui était face à, avec Jovenel Moïse. Et pourtant, je ne dis pas, yon nan yo, pa jam kanpe pou assumer responsabilité ou gen, ou bien pou accepter que mouvement pays lok lan te fait pays en pile to, te fait haïtien en pile mal et contribuer nan multiplier gang, nan multiplier bandi en dedans pays. Jouk nan moment n'a parlé à la, si wap parle de gangsterisation, de pays qui gangle, de pays qui kote bandi se met pays, kote bandi se yon kap décide, etc. Qui lè pour sortir, qui lè pour rentrer. André Michel a toujours dou, premier bagay la pralo, la pralé, pour le mettre devant, la dou, pays a gangsterisé, c'est PHTK qui gangsterise pays. Pour nèg SDP yo, monsieur dame SDP yo, ak alye yo, pays a gangsterisé, c'est PHTK qui gangsterise pays. Mais oublier tout antécédent. Et oublier tout régime qui passait avant PHTK, oublier tout l'autre monde qui passait, que ce soit la transition, etc., qui était là avant PHTK. André Michel et allié, opposition politique, là, yon pas yon fois admettre décision yon prend qui mène pays à côté lié là, c'était choisi volontairement. Nous avons pesé sur. C'était choisi volontairement mettre en mouvement qui relait pays lok. Yo lok au pays, ou pas ka sorti, petit ou pas ka l'école, ou pas ka travail, barricade monte 17 rote, barricade c'est avenu, bandi a exam de barricade, neg a exam multiplié, juste pour yote ka forcer Jovenel Moïse ale. Et au final, après mouvement pays lok, Jovenel Moïse rete la. Et en héritage à opposition politique là, genye yon groupe politique, genye yon groupe gang. Nous ka même di yon groupe politique, nous ka même di et on entrepreneur, puisque le n'a parlé de vite l'homme fait qu'on est entrepreneur, vite l'homme fait qu'on est un homme politique. Donc gang krasé barrière, nèg sa yo gen plusieurs chapeaux. Nèg sa yo gen plusieurs chapeaux sous tête. Et qui est-ce qui vraiment renforce gang vite l'homme? Qui est-ce qui vraiment créé, multiplié bandi yo? C'est mouvement pays lok la. C'est décision que l'opposition politique la te prend pour yo mettre mouvement pays lok, pour yo allier yo ak vite l'homme, pour yo renforcer vite l'homme et meli jounen jodi a. Gang krasé barrière vite l'homme nan, li contrôler en partie nan kwa de bouquet, jounen jodi a la. Gang vite l'homme nan fin kontrole Gedon net on côté que collègue gang qui était allié gang 400 Maozo qui était allié la Mosan je t'ai dirigé vite l'homme contrôler périmètre ça net li pon bon en roi des bouquets vite l'homme contrôler sacré les Pétionville là li contrôler le net la faute à qui la faute avec un groupe nèg qui dou ya fait politique pour changer pays ya fait politique kou yo besoin faire choix le bataille yo monter sous de diaspora. Y a fait politique pour permettre à ce que haïtien qui dans diaspora yo ka vinn vivre la kayo ka retourner dans pays yo ka vinn passer ti grand moun yo dans pays yo etc. Et pourtant tout ça c'était maniguette c'était bobine c'est pour nèg yo te ka prend pouvoir c'est pour nèg yo te ka vinn dans tes pays vinn a faire vinn a défaire vinn a fourer mais vinn voler bon ami qui dit yani kou konn bagay pou jan mwè et ancien avocat peuple met Michel. Pour j'en mouè la va la, pour j'en mouè nèg yo gon comportement avaris la, nan pouvoir, nèg yo fourre tèt yo tout longueur de dan pouvoir riel la nan gouvernement. Li dim ke nou te fort que André Michel pata au courant de assassinat Jovenel Moïse. Nou te fort que André Michel pata au courant que te gon plan tap monte. C'est mon bagage qui t'a cuit pour éliminer Jovenel Moïse. Je dis bon. Li avance argument, moi pas ça pour me répondre. Effectivement pas ça pour me répondre pour moi honnête avant. Est-ce que André Michel était au courant? Est-ce que André Michel pas au courant? Pas connaît. Ça c'est job d'instruction pour la déterminer, pour la chercher, pour le connaître si vagabond était au courant, si était commandité, était planifié, bien si était chita, était connait bail quelconque pour le déterminer.
Mais ce qui est certain, pour Jean-Nex Ayo, pour Jean-Nex Ayo qui était dans l'opposition politique, là, qui t'a crasé Jovenel, qui t'a lapidé Jovenel, qui t'a fait tout pays en ouais Jovenel Moïse comme pivier président Haïti te ka gagné, Haïti te ka koné. Joune jodi, nèg sa yo, yo gagné pouvoir yo pou kon yo. Yo gagné pouvoir yo sans que yo pa gagné opposition. Moi j'ai l'impression moun sa yo nou gen dans l'aria qui dit aussi opposition avec Ariel Henry. J'ai l'impression Ariel Henry quelque part li gon parler, li gon dialogue avec nèg. Et ça moun petit de sa ligne pa d'accord pour dire oui. Tant qu'on prend moi Jean-Charles par exemple, ou dit que ou pas d'accord genre Ariel a dirigé etc. Mais faut explicite, faut ka camper pour dire dans dernière sortie moi Jean-Charles fait. Li camper dit que et faut Ariel aller bon c'est première fois le fait. Mais nous pral gagner pour nous désapprouver Moïse Jean-Charles c'est 18 novembre qu'a bien pour venir là. Est-ce que on nèg ou dit qui pas diriger un pays, qui pas gérer rien en Haïti, c'est insécurité pire etc. Est-ce que ou même yo reconnaître comme moun comme leader politique qui gagne contrôle département Nord, est-ce que on pral jonter faire 18 mai ou pral ba autorisation avec Ariel Henry pour le débarquer ville fête vertir. Nous la n'ap suivre. Nous la n'ap suivre, c'est l'on pral démasquer les nèg yo nan coquin, les nèg yo a bay menti, les nèg yo c'est abolotio politique yo et tout bon. Maintenant, nèg sa yo, André Michel, Rika Pierre, Nenel Kassi, Marjorie Michel, Edmond Suplice Bozil, pour me citer ça yo seulement, joune jodi an yo nan pouvoir. Joune jodi an la, ça ka passé en dedans pays yo pa wel moun ka mouri yo pa gen nouvelle sa yo bandi ka patake moun rentre la caille moun touye moun kidnapper moun violer moun yo pa gen contrôle sa force multinationale que Ariel mandé yo pa gen contrôle sa ba sa yo pa gen nouvelle sa yo puisque sous Jovenel Moïse on mission d'évaluation vini yo dou blanc pa vinn passer au l'autre dans pays yo sous Jovenel Moïse on mission émissaire au l'autre pays a vini yo dou blanc pa vinn passer au l'autre pa pral chita blanc yo pa pral l'autre dans main blanc délégation sorti États-Unis vini premier jet pour premier tête pour c'est nèg sa yo qui signe encore en septembre 21 décembre avec Ariel Henry qui était dans opposition sous Jovenel Moïse. Premier monde qui sous table oui, c'est eux même qui pour aller chita pour venir discuter pour venir dialoguer avec blanc. C'est même André Michel ça je ne jodi a cap dou force multinationale là, li bienvenue et délégation kenyan là li bienvenue etc. parce que situation compliquée. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on ouais dilemme là? Est-ce qu'on ouais controversant? Sous Jovenel Moïse blanc, c'était bête noire. Tout blanc vini, c'est Jovenel, yon vini protéger. Joune jodi, Ariel, André Michel, akakolit, yon sous pouvoir. Blanc, bienvenue. Mais moun kap mouri yo, bandi kap touye moun yo, yon pa au courant de bagay sa yo. C'est blanc yap ton. Yon vle attirer attention nous sur un bagay. M'gonne, gede série de moun ki pral vini la, pral dim, ah, Jovenel, c'est du passé. Jovenel Moïse, c'est du passé. Oui, Jovenel Moïse, c'est du passé. Nous pas qu'à réveiller Jovenel, nous pas qu'à lever Jovenel, nous pas qu'à tourner avec lui. Mais les faits sont là. L'histoire retient les faits. Tout ça qui t'est passé, histoire songe yo. Joune jodi, ça qui fait un parallèle ça. C'est pas parce que nous voulons réveiller Jovenel, non, nous voulons faire le Jovenel, non. Gen parallèle ça parce que moun sa yo, c'est yo qui en face Jovenel. C'est yo même qui t'a contredit tout ça que t'as fait sur Jovenel, c'est yo même. Qui te dit nous yo te kaba nous sécurité qui te promet nous stabilité qui te promet nous pral joindre travail yo pi capable yo pi ka fè et voilà journée jodi an la côté yo ye journée jodi an ki côté yo ye ki bon yo nan pouvoir yo sou pouvoir yo y a prend décision y a frappé l'estomac yo full sécurité yo plein policier avec yo plein backup derrière yo c'est ça m'vle comprendre. C'est ça pour comprendre. En tant qu'haïtien, vous voulez caler les jours pour comprendre.
voulons caler jour pour voir que gros paquet bluffeur à terre dans question politique dans cause politique gros paquet bluffeur à terre qui a vini qui a toute qualité parole toute qualité cause qui a vendu une idéologie qui a vendu un monde que yo paye juste pour yo faut raï yon moun dans l'idée pour arranger cause au puis devant Jovenel c'était président de. André Michel c'était opposant, c'était pas aucun problème à l'idée d'être opposant politique. Vous comprenez ça m'doula? Mais journée jodi an là, nous même dans population, nous t'attend gen sécurité, nous t'attend gen stabilité, nous t'attend gen désarmement qui fait dans quartier populaire, dans ghetto etc. Nous t'attend pour circuler libre en dedans pays nous. Nous pas ka joine yo alors que nous promesse net. Négio, monsieur dame, yo pas respecté promesse, yo pas respecté engagement. C'est pas parce que ou c'est la valasse pour abdim que par exemple, ça qui a passé en dedans pays, elle pas concerné ou pas sous pouvoir, pas gen moun sous pouvoir. Mais c'est haïtien pareil ou y a touyé. C'est haïtien pareil ou y a kidnappé, c'est frère ou c'est soeur. C'est même nous même non. Donc comprenez bien, nous pas obligé rester dans logique. Pour nous, nous avons fait une bataille, nous avons fait l'autre, alors que vrai ennemi, moun sa, yo jounen jodi a, qui dans des postes de responsabilité, qui pas préglon merde, qui pas choisi faire rien, volontairement, yo rete, yo pas préglon rien, yo conscient, yo pas préglon rien, yo rete là, yo fait l'argent, yo prend l'argent, yo plein poche. C'est yo même qui ennemi nous. C'est moun sa, yo pas fait rien pour pays, c'est yo même qui ennemi nous, parce que yo choisi la ge paye dans mes gangs, yo choisi la ge paye dans mes bandi. L'on prend gang iso, l'on prend les village de Dieu dans moment là. Yon krasé Port-au-Prince plat. Dans commencement semaine nan, nèg village yo font premier attaque sou moun de la Réunion. Pa gen réplique, pa gen riposte qui fait. Yo descend rue de la Réunion, yo touye moun, yo fait dégâts. En pile moun prend balle, en pile moun est tombé, en pile moun victime dans mitan population. Pas bon autorité pour dire on va faire réplique, pas bon autorité pour dire on va mener opération, on va déloger gang etc. Puisque on pas jeune résistance, on pas jeune réplique etc. Hier soir, même bandi ça encore débarqué dans rue de la Réunion, yo touye moun yo te joine, yo boule machine, yo font paquet de dégâts. Yo font paquet en paquet de dégâts. Guerre de gang, guerre de territoire etc. Et nous tellement ouais vérité en face nous dans boule figi nous que nèg sa yo, monsieur dame sa yo qui dans tête pays yo pas régler rien yo pas régler merde bandi yo au lieu c'est repousser jeune résistance c'est plus territoire y a bataille pour yo prend c'est plus territoire yo a bataille y a goumé pour yo prend mettre population civile là dehors bouler kan moun touyer moun etc. pour yo mettre moun dehors pour yo prend plus territoire. Donc là, on a bon raison. Nèg sa yo pa prégler rien. Donc journée jodi an li important. L'on m'a dénoncé un ensemble de bagay qui a passé en dedans l'état. M'a dénoncé un paquet de vagabond politique qui pa prégler en merde, qui a ba nous faux promesses, c'est pas moi pour jouer, c'est pas moi pour railler, c'est pas moi pour dire qu'a fait job sale X. M'a gè un job aucun monde m'a fait sinon que job paysan, job population parce que m'ta rimé à l'aise. M'ta rimé à l'aise dans pays. Donc nous mêmes qui en Haïti nous avons responsabilité nous pour nous camper continuer dénoncer et agir mais ou même qui dans diaspora monsieur que majorité moun qui a gardé là qui dans diaspora c'est bon moun yo c'est bon moun étant donné que nous gagnons sensibilité pour la caille nous gagnons passion pour nous retourner la caille nous envie de tourner la caille nous pas seulement doit quitter pour comme si pour autorité l'état yo pour nèg sa qui sous pouvoir considérer nous comme ATM yo comme distributeur automatique yo comme si nous là seulement pour nous voyer l'argent soit nous même qui dans diaspora nous commencer mettre pied nous à terre pour nous revendiquer ça qui revient nous de droit pour nous revendiquer ça qui revient de droit si on considère nous comme haïtiens là parler de nous haïtiens qui dans diaspora c'est pas un cadeau yo fait nous. C'est haïtien nous, et nous c'est haïtien à part entière. Même gens XYZ gen droit pour l'aller poser candidature à l'élection.
li gen droit pour le député, pour le sénateur, pour le président, li gen droit pour le premier ministre dans le pays, li gen droit pour le ministre, secrétaire d'État, li gen droit pour le magistrat, etc. Ou gen droit tout. Yo reconnaît tout qualité d'être haïtien, ou c'est haïtien, maman fait haïtien, papa fait haïtien, ou c'est haïtien en entier, ou gen droit. Mais pour qui ça oblige quitter nèg yo, yo metode yo nan cause élection dans pays ou? Yo metode yo nan question pa ka vin premier ministre, yo pa ka choisi pour premier ministre, pour ministre. Yo metode yo pa ka vin et secrétaire d'état nan pays ou, ou pa ka député. Qui ça bagay ça veut dire? Qui ça bagay ça y? Alors que gon pile zanmi nan diaspora qui gen expertise, qui gen capacité, qui gen l'argent etc. Plus qu'à 80% de diaspora qui permet que Haïti a fonctionné, yo seulement ouais nous comme un distributeur automatique mais vie politique pays yo floken de yo la dedans et puis nous rete de yo vrai nous croiser bras nous n'a regarder nèg yo k'ap kraser pays. Journée jodi a commencé mobiliser nous. Commencez à mobiliser, nous c'est pas seulement nous rester là et nèg yo vle pour nous faire tant kou yo constater des grands pays en fin craser, pays en fin gangsterisé. Yo même k'ap kraser pays oui. Et ça plus grave là. Gen moun ki gen vision pour Haïti. Konnen tout gen abolocho, même konnen tout bon gen moun ki gen vision, gen moun ki gen rêve, gen moun ki ta vle vini planter un paquet gros entreprise etc. Yo pa ba nou chans, mais c'est nous même qui pou pran chans. Chans pa fè cadeau. C'est nous pou bataille pour nous prendre droit nous à part entière en tant qu'haïtien. Aussi simple que ça. Sinon jounen jodi a nèg yo ta peur nous oui dans diaspora. Ou pas yon préfère chita y a ridiculiser nous. Yon kreye toute façon pour nous pas mettre point de pied nous. Nous anti-sécurité gen dans pays, anti-sécurité rive. Nous font descendre pendant période d'été estival yo. Nous vinn nan fèt champèt nous en bouteille nous dit bah bouteille ça m'intéresse avèl et m'achetel. Nous acheter bouteille a. Et puis nous aller, nous commencer voyer l'argent travail du neige pas neige travail. N'a travail dit n'a voyer l'argent en Haïti. Clôturer terre. Tracé sol, mette sol, monte bloc, coule dal, nous fini bel kainou et puis boum, ou tant de gon nèg nan pouvoir pran. Ou tant de gon association malfaiteur qui gen ministre, secrétaire d'État, vous comprenez? Qui yon tout la del? Yon a pas pauvri nous, et nous croise bras nous, yon fait nous peur vin nan pays. Donc comprenez bien, c'est responsabilité, c'est responsabilité, c'est responsabilité nous tout en tant qu'haïtien. Ce n'est pas en question de clan politique, de classe politique, j'en ai a fait là, de classe sociale, de clan social, j'en ai a fait là. Mais si nous, le pays a changé, c'est nous tous qui pouvons faire ensemble. C'est nous tous qui pouvons faire ensemble. Pas de question de nègre ou nègre en bas. Pas en question, nous sommes dans tel clan, nous sommes dans tel classe, etc. Je ne dis pas la réalité, elle n'est pas tombée. Ni pas éclaté dans la boule figuine, ni pas ouel, nous pas ouel, ni pas tombé dans la boule figuine. Pas de nègre ou nègre en bas, vrai, non, qu'on y a. Mis à part de nèg kap finance gang yo, ki gen relation à gang yo, nou ka wè toujou al rete dans des séries de zones bandi pa rive sou yo, pa rive la kayo. Après ça, tout moun ki te gen kay dans les hauteurs, etc. Se vann kay ou kou y ale. Même sa moun en bas cité soleil, même sa moun matisan yo apran, même sa moun en bas yo apran, moun an yo pran. Jusqu'à ce que gang ti makak lan, yo te touye ti mak moun an yo t'ap pran le tout moun Tomase moun Fermat moun Forja tout moun yo t'ap pran. Donc là comprendre bien ça qui passe en Haïti doit concerner chaque grain haïtien, chaque grain haïtien concerné là dedans. Et m'a dit encore ka facho ka pa da comme dit, si nous quitter assassinat président Jovenel l'a été impuni, nous pas faire rien, nous pas caler genou, nous pas secouer kon, nous pas prendre la rue, nous pas révolter. Mbo garanti n'importe président qui a gen pou vini nan peyi sa ki a di question courant li pa kite l nan mon ti groupe moun, question gaz li pa kite l nan mon ti groupe moun, question asphalte li pa kite l nan mon ti groupe moun, li pral nan peyi, li pral rencontre paysan, li pral fè ceci, li pral fè cela. Depi an lè sa mouri, depi an lè sa mouri, parce que nèg isi yo assure yo que non seulement yo joué nan may peuple, yo assuré yo kembe nou en otage, yo kembe nou nan misère, yo kembe nou nan insécurité, nan pauvreté pour nous ka toujours dépendre de yo. Ou ap dépendre de la classe politique rapace, douette long vicieux,
ou ap dépend de yon international qui complice quelque part dans sa nan vivant de pays yon, mais qui pa jam reconnaître complicité yon nan krisa. En 2005, Assemblée générale Nations Unies yon introduit dans système Nations Unies yon introduit ça qui relait la responsabilité de protéger. Responsabilité de protéger qui ça qui est, responsabilité de protéger la population. Donc chaque pays a une responsabilité pour protéger peuple, pour protéger citoyen, pour protéger population. C'est une obligation que l'État a gagné, son obligation que pays a gagné, son obligation que dirigeant l'État a gagné. Ou non pas cela? Ou on vit président? Ou dorme nous rêve président? Ou vin président vrai? Ou gon responsabilité pour protéger population? Yo dou job mini justice, c'est pas un job qui facile. Ou t'a écrit livre ou bien propre. Ou dit barou, ou ka gérer. Ou nan ni ministère de la culture, ou nan ni ministère de la justice. Ou c'est ministre justice pays. Femme pareil, moi j'ai un pile respect pour travail, pour parcours, etc. Ministre Emily Prophète Ministre. Je ne j'en dis en tant que ministre justice. Madame nan pile fois le la fait sortir ou bien le la écrit, etc. pour communiquer à la population. Et gon pile fly, gon paquet fay nan sa lab di. Constitution bay chak ayisyen droit. Nou gen des droits, nou gen des devoirs, konsa tout nou gen des obligations. Nou gen droit à la sécurité. Si nou gen droit à la sécurité, donc gen moun ki sensé là pour garantir sécurité nou. C'est moun sa yo nou rele chef jounen jodi an ki sou pouvoir. C'est moun sa yo ki nan CSPN, nan ou état major la police, nan ou état major l'armée, etc. Et bien, la dernière sortie que ministre justice a fait, hein? Kote ke li mande population pour défendre tête yo. Défendre tête yo contre gang, défendre tête nou contre bandi, contre moun sa yo ki ap touye, kap terorize, kap toupize. Mais est-ce que c'est droit ministre justice? Est-ce que c'est rôle ministre justice? Pour la mande population défendre tête yon kote gang. Alors que chaque jour mon Dieu mette, nous constate laxisme qui gagne par bon côté autorité. Nèg yo yo à l'aise tant kou blaise, nèg yo tellement cynique, moun ap mouri, yo ap tout pizi nou, yo ap depafini nou, ça pa di yo rien. Yo seulement là pour yo constate dégâts. En première fois, madame nan vini comme s'il dou tout zam légal pour défendre tête. Après ça, l'élo elle met les deux pieds, elle prend un grain sous l'île, elle dit, c'est de légitime défense, elle t'a parlé, par contre, sa bagaille la te dit, etc. Kounye a yodou, faut défendre tête ou contre gang, contre bandit. Oui, faut nous défendre tête. Oui, faut nous défendre tête. Nous, si bandit, si gang vient attaquer nous, nous riposter, faut nous riposter. Mais ce n'est pas job, madame, ce n'est pas job, autorité, l'État, yo. Pour y demander population défendre tête nous contre gang, pour y demander nous chercher manchette nous, chercher wash nous, chercher bouteille nous, chercher zam nous, filer manchette nous mettre là pour nous défendre tête nous contre gang, pour nous veiller bandit. C'est job yo. Et comprendre ça. Donc, indirectement, madame la ministre mande nous pour nous réactiver le mouvement Bois-Calais. Yo mande nous pour nous monter le volume Bois-Calais. Pour nous chercher, pour nous veiller bandits, chercher bandits, et puis, on comprend, bah, yo bois calé. En quelque sorte, c'est ça, yo mandé. Et nous, ouais, gagne, on paquet remaniement qu'a fait un de dans PNH, on a gagné pour nous venir sous ça tout à l'heure. Nous voulons comprendre que c'est responsabilité, autorité l'État, c'est responsabilité l'État pour protéger les citoyens. Même en deux de chat Nations Unies, yo dit, noir sur blanc, li écrit, et autorité l'État, yo, l'État haïtien dirigeant nous, yo connaît ses responsabilités pa yo pour yo protéger nous. Mais c'est pas job nous. C'est pas job nous. Pour nous chercher bandits, veiller bandits, pour nous protéger tête nous, pour nous défendre tête nous. C'est job yo pour yo mettre sécurité dans le pays. C'est job yo pour yo garantir sécurité nous. Puisque
En 94, je mette kopé en PNH qui gagne mission protéger et servir population. Ça nous clair sous. Eh bien, dans responsabilité de protéger sa population que Nations Unies introduit dans Chotlan, eh bien, yo fait obligation avec l'État pour gérer pays, yo, gérer population, dégager coup qu'on est pour mettre sécurité en dedans pays. Même là nous connaît même États-Unis ça quelque part encore, il a cherché boycotter la meilleure parler nous gain la meilleure. Dans qui cas Assemblée générale Nations Unies bien dans qui cas ka gagne une intervention internationale non pays. Ka gagne une mission internationale. Dans qui cas Conseil de sécurité Nations Unies ka réuni pour le dire a gagne une intervention internationale dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Gen deux possibilités, gen deux situations possibles. Premier cas, première hypothèse, c'est si l'État parle sécuriser population. Yo considérer l'État ça comme l'État voyou, yo considérer dirigeant comme un paquet petit bambé, un paquet voyou qui parle protéger population et automatiquement sur le plan international yo a nécessité pour un changement de régime. On parle moun ki la yo. Yo parle protéger population, yo parle protéger citoyen yo. Son paquet bambe, yon paquet voyou, et faut un changement de régime. Changement de régime nan, à travers qui ça le ka fait à travers des élections. Si son président qui démocratiquement élu ki la ki parle, bon koun yam pa konnen si c'est coup d'état yo pral bay li etc. Mais nous gétan konnen que population pral la ou moun pral la ou pral vin gen en transition. Et c'est notre transition nous y là. Maintenant ka Haiti yo, nous nou en transition. Yo pa élu. Ariel pa élu, Ariel pa tal nan élection. Ministre yo pa régulièrement choisi, yo pa régulièrement nommé par le parlement. Ça nous clair sou li. Maintenant par rapport avec situation ça, nous n'avons cas particulier. Nous conscients que moun ki la yo, yo parle, comment pral changer régime? Qui te question là, n'a pas retourné sou li. Deuxième hypothèse, kagon intervention internationale, c'est si l'État pas ka répond avec responsabilité de protéger. C'est si l'État pas ka protéger citoyen. Là, nous face avec on l'État failli. On l'État qui failli à mission. On l'État qui pas ka répondre avec besoin population. On l'État qui pas ka répondre avec nécessité moment. Qui sait protéger population, protéger chaque citoyen. Et dans cas ça, sous plan international, yo considéré son l'État pour yo construire. Il faut construire l'État. Dans l'hypothèse ça, est-ce que c'est capable ou réel pas capable? Est-ce que nous face avec un l'État faille? Dans l'hypothèse ça, si nous songe déclaration ancien bâtonnier Monferrier Dorval te dit te fait li te dou l'État n'est ni gouverné, le pays n'est ni gouverné, le pays n'est ni administré. Ça veut dire clairement son l'État failli. Si son l'État qui failli, moun ki nan tête l'État manque avec mission, manque avec obligation. S'il manque avec mission, li manque avec obligation parce que gros paquet de river de pouvoir l'État. Moun yo ta supposé faire à droite, yo faire à gauche, c'est corruption, c'est ban nèg yo a bambilé etc. Est-ce que moun sa yo ka répond avec besoin moment? Est-ce que gen un budget qui là pour répondre avec besoin moment? Moi-même personnellement, deuxième hypothèse, m'pa considérer pour ka Ariel là. Pour ça la vie journée jodi a. Est-ce que c'est capable nèg yo pas capable résoudre problème non? M'pa quoi c'est capable yo pas capable. Plus quoi moi-même première hypothèse c'est lui-même qui applicable. C'est vrai yo parler. Son paquet voyou qui dans l'état, son paquet bandit légal qui dans l'état, son paquet avant qui dans l'état,
son paquet volé vicieux doit être longue dans l'état, c'est à faire pas eux vinn régler, c'est à faire pas eux vinn résoudre. Pour que ça me douce vle ou pas vle. Si nous retournons dans première partie émission, l'en t'a parlé de question mouvement pays lok là, l'en t'a parlé de opposition politique sous Jovenel Moïse, l'en t'a parlé de André Michel allié lio, l'en t'a parlé de opposition politique qui renforce gang ou bien qui crée gang avec question barricade c'est avenir là. Là on comprend que nèg yo té bon volonté. Nèg yo té bon velléité pour yo gangsteriser pays, pour moun a mouri pour massacre fait, pour yo té ka déchouquer Jovenel Moïse ou el ali. Pour yo té ka fort quoi que yo capable résoudre problème non. Et jounen jodi an, men nou nan mi tan problème nan, nan mi tan lan mer, nèg yo pa vle fè rien. C'est vrai ou pas vrai? Même formule yo té utiliser pour yo té gangsteriser pays, en formule là. Même moun sa yo te chita parler, yo te fait promesse que leur prend pouvoir, y a fait ceci, y a fait cela, moun sa yo là toujours. Donc, même formule yo te utilise sous Jovenel là pour yo te prend pouvoir, que on cherche formule qui approprié, qui applicable pour yo bay résultat kounye a. Parce que yo te quoi yo capable, c'est pour yo faire ça yo te montrer peuple, yo t'ap bataille pour li, kounye a yo nan pouvoir yo, kounye a yo sous trône yo, fòk yo ka bay. C'est pas capable nèg yo, pas capable nèg yo juste parler, yo juste parler. C'est yo créer gang, c'est yo renforcer bandi, c'est décision que yo pas prendre qui renforcer bandi, c'est action yo pas poser qui renforcer bandi, c'est pas vrai yo parler. Et d'ailleurs on PNH qui là. Gen l'argent qui censé là pour budget la police, gen l'argent qui là dans budget pour ministère de la justice. Et pas bon pays qui a fonctionné. Pas mon pays qui est capable de fonctionner si justice pays n'a pas marché. Donc, l'on justice, c'est corrompu, c'est volé, c'est gang qui l'a dans. C'est pas capable ou pas capable, c'est l'eau parlé. Donc, première hypothèse Nations Unies, première hypothèse Assemblée Générale Nations Unies, dans ça qui est pour avec la responsabilité de protéger, eh bien, dirigeant l'État, yon parle. Nous face avec l'État voyou, nous face avec un bandit ivoirien qui prend, qui accapare le pouvoir l'État, qui ça qui doit être fait. Est-ce que c'est sous base hypothèse 1 ou bien hypothèse 2 que fin année 2022, Ariel t'a écrit, États-Unis t'a écrit, Nations Unies pour dire les besoins coûte, mais le besoin force multinationale, sous qui base Ariel t'a demandé? Pendant que moi-même, je considère hypothèse 1, c'est vrai, les nègres, vous parlez. Eh bien, nèg yo même, yo di international là, ah, nous pas capable, c'est capable, yo pas capable. Est-ce qu'on va tout zon nou vire à nèg sa yo nou nan dilemme, nou nan problème pirèd? Nous nan dilemme, nous nan problème pirèd. Donc, face avec responsabilité de protéger sa population, il est évident que demande Ariel Henry, li fonde sous hypothèse 1 que l'État pas capable protéger population, le PNH pas en mesure, c'est ça yo toujours dit. Donc, intervention force multinationale là si toutefois Conseil sécurité Nations Unies a approuvé il y a approbation yo et bien yo pral considérer hypothèse 2 que l'État pas capable et bien a gagne force a gagne intervention internationale pour venir aider au gérer situation. Donc il était clair, il était important pour moi pour me faire aller ça pour me do comprendre mes bagaille yo, principe juridique yo, principe international yo, yo là. C'est nous pour fouiller, pour nous chercher, pour nous connaître qui ça qui dit, comment le dit, et qui ça n'est pas utiliser tout comme astuce, comme maille, comme maniguette pour demander intervention multinationale. Et intervention, force multinationale, bien encore intervention internationale. Ça, c'est important. Et avant nous rentrer dans Guy Philippe, on nous passe dans le remaniement qui a fait dans PNH. Parce que ça est extrêmement important. Là, nous faisons coup de pied. Sous page officielle PNH. Gen yon nouveau directeur départemental nan tête DDO2. Gen DDO1, gen DDO2. DDO2 yon, et li plus sous zone et Kwale Wouker, sous zone, on ka di, et rentre nan paysan. Oui, rentre nan paysan, l'opre et Kwale Wouker, Gantier, et l'opre zone sa yo, c'est sous contrôle DDO2. Gang 400 Marozo, c'est sous contrôle DDO2. Évitez l'homme qui a à cause d'al prend contrôle Gedon sous contrôle on bon
DDO a contrôlé vite l'homme sous Pétionville, sous Tabor, sous Torsel. Obo a contrôlé vite l'homme et sous zone Kwadebouke. Donc vite l'homme ça et c'est pas si cause petit. Reprendre les gars gros bras d'air bon dans le pouvoir. Donc n'a pas comprendre. Eh bien, et PNH a annoncé gagner un paquet de remaniement, gagner un paquet de changement administratif qu'a fait. Là, on va regarder citoyen ça va regarder là. C'est nouveau directeur départemental DDO2A. Et aux ordres du commandement-chef de la police nationale d'Haïti, M. Franz Elbe, l'inspecteur général Jean-Yonel Tressil a procédé hier mercredi 23 août 2022 à l'installation du commissaire principal Roger Lamartinière comme directeur départemental AI de l'Ouest 2. Il remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Cléven Sétout transféré à la direction départementale du Nord-Ouest comme nouveau directeur. Donc, Jean-Pierre Mounfekweli, et ou pral gen pourtant des interventions ancien chef CSPN et Jean-Michel Lapin qui croit que pour arriver à combattre l'insécurité, pour arriver à combattre gang bandit qui a pris pays, il faut qu'il y ait une réorganisation en dedans PNH. Faut que changement qui fait, faut que changer directeur départemental, faut que changer commissaire, faut que on passe main qui fait. Et en plus fois nous toujours parler de cause ça. PNH doit gagner vetting qui fait là-dedans. Autant de gros parti dans PNH, parti dans policier qui dans gang, on parti dans policier bon qui obligé la pied yo, qui aller dans Biden, on parti policier qui obligé par rapport avec la situation paysan y a côté te voyé yo transféré yo pour al travail yo peur pas capable obligé remettre démission yo, on parti qui avec VIP, ah on va être chargé. Nous te pensé nous te gagne on 12 000 policiers. Tout récemment là, m'attendé nous gagne un effectif de près de 8 500 policiers qui ta opérationnel ça veut dire qui ta sous toute étendue territoire là qui affecté à commissariat sous commissariat etc. Mais on est sérieux si n'a regardé quantité ancien président quantité ancien premier ministre quantité ancien ministre etc. petit yo madame yo ti ménage tout moun sa yo gen policier qui affecté avec yo sous prétexte yo c'est VIP yo tout yo gen policier kounya imagine ou Nexa, qui était ancien ministre, ancien premier ministre, Lidou l'a fait en 3 mois à l'étranger de leur pays. Yon, policier ça qui était affecté avec l'an VIP, il remet ça en pile. Pour yon affecté à VIP, pour qui ça? Pour yon pas le travail. Parce que là, on n'est pas vraiment exposé papa, c'est dans un hôtel, yon allé dans rendez-vous galant, dans réunion d'affaires, etc. Vous comprenez? Yo pas exposé à bandi, yo pas contre avec question bandi puis a pété balle puis a défendre population. Si VIP ça fait 2 mois de yo, 3 mois de yo policier ça, li fait 2 mois, 3 mois toucher chèque li alors que li pas jamais travaillé même là li té à VIP qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait vraiment comme travail? Tout nèg gen policier qui affecté avec service personnel yo. Nous même dans population civile là en vérité, nous besoin policiers pour aider traverser la rue, nous pas jeune. Gen trop blocus, nous besoin policiers pour faire circulation, nous pas jeune. Dans cas ça, tout ka policiers ça yo, ça gnezete, ça kal nan Biden et ça ka via épisode de dans gang et bien PNH PNH donc c'est pour faire de l'humour quand même. Et par rapport avec Jean pays bra la situation pays bra là et bah yo vraiment difficile. Et hier m'a regardé débriefing Ariel Fea, c'était pour te dire que et force multinationale là Ariel dit nous pas besoin inquiéter nous force multinationale là elle pas venir remplacer PNH. Qui vivra verra, qui vivra verra parce que Haïti en son pays spécial nèg yo fait bagay yo nan Jean Payo. Et bien on nous quitte cantique en nous rentrer dans la prière. Et gagné Guy Philippe qui passait de présentation. Guy Philippe ça qui lui-même en pile monde considéré comme révolutionnaire libéré Haïti en balavalas avec Aristide
famille Lavalas, partisan Lavalas, sympathisant Lavalas, yo pa gon sang pou Guy Philippe parce que dit Guy Philippe et bay coup d'état Guy Philippe voye leader charismatique là en exil. Bay pa bon, chaque monde yon vision de Guy Philippe. Eh bien Guy Philippe qui passait plusieurs années en prison aux États-Unis, eh bien li sou route pour joindre libération 7 septembre gab gen pou venir là. Mais faut moi dit non. Guy Philippe gen en pile aspiration papa. Guy Philippe gen en pile aspiration. En autant des déclarations Guy Philippe. Bon, élection pas le fait. Mais pas ni ça. M'a rentré 7 septembre officiellement, la date officielle là. 7 septembre m'a rentré. Anissa. Donc, je qui est-ce qui a pris un grand instant même. Je qui est-ce qui a pris un peu de moi même. Je travaille pour faire un peu de moi. Je bagage qui est fait qui va être fait. Je bataille qui suppose fait qui va fait. Moi, je vais faire bataille peu de moi. La fois, il y a tout le monde qui a parlé, qui dit au balai. Tellement pile les béton, ma peu de moi, ma jeune garçon, jeune femme, ma paysan. Et pour où est qui grand instant balbo. Et pour où est qui a été balbo. Retourne pour moi. Bon, et nous tendez, oui, nous tendez. Quand la constitution, mes amis, constitution, nous pas avec nous. Nous tendez, Guy Philippe, il y a aspiration politique. Aspiration politique, Guy Philippe doublé. Peuple, ça le bras le fait pour Haïti. J'en dis, Philippe, pas parler. C'est comme si Guy Philippe, il y a visé pire que sénateur. Bon, bref, nous connaissons la constitution, lui-même, il très clair. Constitution, bah qu'on est comme y'a bien pour y'a faire réforme constitutionnelle, pour y'a faire référendum, etc. Et c'est une des raisons encore, élection pas possible pour année. Et constitution dit, y'a mette tout critère pour candidat. Y'a mette tout critère pour vin président, tout critère pour vin sénateur, tout critère pour vin député, magistrat, etc. Gyon nom d'année faut qu'on passe en Haïti, faut qu'on soit haïtien et faut qu'on pas renoncer à nationalité ou faut qu'on pas condamné à des peines afflictives et infamantes, faut qu'on pas ceci, faut qu'on pas. Wow, me fait erreur, me pas dans la constitution. Mais demain si Dieu veut me promettre m'a retourner sur ça, m'a boire tout détail. Guy Philippe, nous connaît déjà Guy Philippe passé un paquet temps de au pays parce que il prend prison aux États-Unis, il condamné. Ça c'est un. Nous connaissons pour ça condamné Guy Philippe, yo, Guy Philippe condamné à des peines afflictives. Donc, on condamné à des peines afflictives. Et par rapport avec condamnation ça, est-ce que Guy Philippe Kavini président dans le pays? Est-ce que Guy Philippe Kavini sénateur dans le pays? Est-ce que Guy Philippe Kavini député dans le pays? Ça lie extrêmement important. Donc, comme Guy Philippe dit, la gagne pour le vini 7 septembre officiellement, moi-même pas qu'à anticiper, pas qu'à dos si dans prochaine élection, si la vine pour président, si la vine pour député, si la vine pour sénateur, si la vine pour AZEC, si la vine pour KAZEC, etc. Pas qu'à dire. Ça qui pis juste, qui pis no boum faire, c'est chitaton. Cependant, déjà annoncé ça, li gagne. Et intention politique. Deuxième bagaille me fait, moi dou, mais qui sa constitution dit, dans question moun ka vin poser candidat pour président, pour etc. etc. Demain n'a bon plus de détails. Donc là, on déjà gon idée. Ou déjà gon idée. Si Guy Philippe vin en Haïti, il dit la vin poser candidat, si conseil électoral provisoire la rejeté candidature là pour me parler dans des gain plein gain crier gain réel etc. bien gain manifestation on connaît haïtien comme ça partisan c'est partisan yo yo doit lever pays mais yo pas veut respecter la loi yo pas veut respecter constitution. En tout cas moi pral quitter avec Jean-Michel Lapin ancien chef CSPN là qui lui-même li pral bail ensemble de détails et non seulement sous question PNH la police remaniement qui t'a supposé gagner de la pollution et avec question force multinationale. Donc, on pral gagner pour tander intervention ancien premier ministre PM Lapin. Mais bien avant, faut que moi rappelle, yon énième fois projet rentrer l'école.
projet rentrer l'école là côté n'a gagné pour nous supporter ti moun qui pral l'école parents k'ap gagné pour voyer petit sur l'école mais c'est moun qui nous en situation difficile. C'est pas moun qui cache tes valises livres pour petit yo mais c'est moun nous connaît moun nous pral chercher qui pas capable tout bon pour nous aider yo pour nous supporter yo. Donc Anéa, nous voulons supporter le plus de ti moun possible, le plus de parents possible. Et pour ça arriver fait, faut qu'on aide nous, faut qu'on supporte nous, faut qu'on contribue avec nous dans le projet. Le projet, j'aime toujours aimer dire, c'est pas projet Yannick, c'est projet ou même qui voulait aider ou même qui voulait supporter. Puisque c'est ensemble, nous toujours fait projet, nous toujours réalisé. Donc, année 1, nous voulons permettre à ce que Timoun yo gen livre pour aller à l'école, Timoun yo gen valise pour aller à l'école, Timoun yo gen équipement, fourniture scolaire, cahier, plume, boîte géométrie pour aller à l'école. Et pour ça arriver possible, c'est vous-même qui pouvez aider. Moi-même, toujours pareil, avec le peu que je gagne pour me prendre l'initiative. Le premier monde qui a mis mes pattes, m'a dit, mais qui s'en baille. Et par la suite, m'a tant de support, m'a tant de contribution, que en Haïti, que en diaspora, pas besoin d'hésiter, relayer mes crimes dans le numéro d'émission pour Yannick, mais qui ça me voulait faire, me voulait prendre un petit monde pour me payer l'école pour l'année, me voulait prendre un petit monde, me voulait supporter les parents, me voulait acheter les, me voulait aider, acheter les, acheter matériel, etc. pour voir un petit monde à l'école. Donc, j'en ai toujours fait, nous pas garder sous autorité l'État, nous pas garder autorité dans le pays, c'est nous-mêmes qui avons une bonne volonté, qui avons une bonne foi, qui avons un bon cœur, qui toujours permettent à ce que le projet soit réalisé. Maintenant, nous, pas hésiter, relayer, écrire dans le numéro de mission pour dire, mais qui s'en a fait, mais comment on a fait. Et jour à avancer à grand pas, donc il faut que nous pensions sur ça, il faut que nous mettions le projet à côté pour nous finaliser le projet ensemble. Bon, quitte avec Jean-Michel Lapin, qui pral bon quelques détails sur ce qui a passé à l'institution de la police, Kounia, et ça que tu as passé sous lui, l'heure de là comme chef CSPN. Nous avons plaisir pour nous parler et pour nous recevoir dernier invité dans le panel là matin, c'est ancien premier ministre Jean-Michel Lapin. PM, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour tout auditeur, auditrice et bonjour tout l'autre camarade qui est sur le panel là matin. Bonjour, bonjour, merci d'être disponible pour nous. Et PM et Lapin, avec nous parler garder crise sécurité là, et puis la fonte bat de bouche tout sous crise politique là, sous conjoncture là. Et ou t'es toujours monté très intéressé sous question de sécurité, l'autre est premier ministre. Moi, songe, l'autre a déposé et pièce ou dans le parlement et pour te ratifier aussi, c'était en avril. 2019, je crois que c'était le 17 avril, et l'offre sorti dans le Parlement, où t'es dit que PIA l'a fait face avec une situation de guérilla urbaine, où t'es annoncé des dispositions que t'es pas le prendre, et au niveau CSPN, et pour te résoudre des crises de sécurité là, notamment achat d'équipement. Anissa, en 2023, et en mars, où t'es proposé pour nous sortir dans sa nia là, un gouvernement de crise. Et quelques mois plus tard, et qui ça, selon même Premier ministre Lapin, et en fonction de qui j'ai en situation vignée, je dis, qui compréhension de lui, et qui s'en t'a dû faire pour nous sortir là-dedans? De 2019 à aujourd'hui, quand j'ai fait déclaration, on est bien content. Et vous rappelez des déclarations, ça, qui qui te pose un paquet de critiques contre moi, à partir des soi-disant des spécialistes de sécurité, qui te dit que moi, pas comme ça m'a parlé, moi, ils sont ignorants dans l'affaire de sécurité. Mais je dis à là, moi, content, pas de longtemps, moi, ouais, même Mounsayo, qui c'est des spécialistes en sécurité, c'est 4 ans après que je viens d'accord, effectivement, que le pays a fait face à un délire. Donc, les gens continuent de commencer, les plans évoluent, ils jouent un espace et qui fait toute victime ça dans la situation. Donc, je dis à là, nous en plein dans la réalité, là, nous pratiquement nos circuits de descente aux enfants. Donc, gagner une force intervention, la police vient dépasser. Donc, ça m'a dit international là pour les présents et souterrains. Il y a des voix pour et il y a des voix contre, donc c'est tout à fait normal, mais réalité arrêtée, ça lié. Donc, je dis à là, il faut que nous gardions
Fos sa ki pral vinyen fasa situasyon, ki sa la pye, malouizman nou pou gen informasyon, mater, nou tande ki nou pale sou sa. Donk, la gren kesyon, ki situasyon polis la par rapport fos sa kap vinyen. Donk, fok nou ta gade situasyon la polis la avan, fok nou ta gade l pandan e apre. Avan, yer, efektivman, mwen wè, Robertson, et fait yon éditorial sur situation la police réalité à sa liée son réalité est catastrophique donc ça m'a dit on pour nous gagner en force de police qui gagne yon passé mais qui fait administrativement ça nous relie nous te dit déjà un programme de réorganisation administrative de la police parce que c'est ça qu'a ba ou et réponse à une question que Robertson déposée et que jusqu'à présent elle n'a pas eu une réponse combien de monde est dans la police donc on dynamique de réorganisation administrative dans la police la permet effectivement que nous avons la police qui est prêt pour rentrer dans un partenariat avec une force d'intervention il y a la police qui lui-même veut monter pas de une vision d'avenir de lui pour être transformé en véritable force de sécurité publique et de défense nationale donc je dis hein, est-ce que pendant que nous encore une fois et malheureusement nous avons fait face à une occupation étrangère est-ce que nous avons la police qui est prête pour recevoir un type de transformation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour avancer sur l'économie, transformation, système économique là, pour la vie reprendre, faut effectivement nous commencer à parler de une force, de un système de sécurité publique et de défense nationale. Ferme la Donc, paix. Là, nous en pendant, oui, l'on parle de réorganisation administrative. Et après, est-ce qu'effectivement, cette fois-ci, nous avons gagné une véritable force de sécurité publique et de défense nationale pour qu'il capable de prendre des pays ça en main? L'on parle de réorganisation administrative de la police nationale d'Haïti. De qui vous voulez parler exactement? Et comment procéder à cette réorganisation administrative? Donc, on parle là de véritable réforme administrative. Allô? Là, on a parlé. Allô? Oui. Non, bon là? Oui. Oui, là, on a parlé de véritables réformes administratives et institutionnelles. Là, qui demandait un leadership technique pour récamper les différentes directions qui ont responsabilité de fonctionnement de la police. Là, on a parlé des directions de ressources humaines. C'est lui-même qui a une responsabilité pour qu'il dit que véritablement, qui combien de policiers qui viennent dans la police là, et mais qui côté il y a travail sur tout le pays. C'est lui-même qui a une responsabilité pour qu'il dit que mais hiérarchie a salié et ben, toute information qui a un rapport à personnel administratif de la police. On a parlé tout de direction logistique de la police. C'est lui-même qui a une responsabilité pour lui dire, mais qui ça, la police a gagné en termes d'équipement et matériel. Donc, on a parlé d'inventaire. Donc, tout ça, c'est des bagailles qu'on est capable de joindre dans une dynamique de réorganisation administrative à partir de véritables programmes de renforcement et de développement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et est-ce que ça t'a dit, par exemple, pour nos tatous et doter la police de ressources humaines que le pas gagné? Parce que, il y a des gens qui ont géré logistique. Par contre, qui ont une organisation en fait en institution? Est-ce que c'est policiers qui sont responsables de toute entité, même si ils n'ont pas de formation là-dedans? Est-ce que il n'est pas nécessaire pour doter la police là d'autres compétences, même si c'est des compétences qui sont civiles, c'est des gens qui sont à l'extérieur, mais pour une faire travail que l'institution a besoin? Oui, oui, c'est ça, parce que là, il y a un bagage qui faut que nous, qui est universellement reconnu, faut que nous acceptions que
La gestion est à la base de toutes les sciences. Donc, ça m'a des compétences, ça m'a des formations et ça m'a des expériences, métiers et expériences. Donc, nous n'avons qu'à continuer à gérer la police là, en tisami. Et on dirait que le général, peut-être, il a fait choix des amis qui n'ont pas gagné et profession et de gestion, ça l'a cherché là, pour qu'il gère des directions qui sont importantes en à la police. Donc, on a parlé de tout, de direction communication, parce que nous, pour entrer dans une stratégie de bataille, parce que c'est dans ce là, on a besoin de direction de communication fiable. Donc, je dis à qui sa direction communication de la police là, et ni moi, ni vous, et tout le pays, par contre, qui ça dit. Donc, moi, quoi, dans le niveau, ça a grand faille, et particulièrement, ça m'a dit, une expérience. Et dans le niveau ça, pour rétablir une véritable direction de communication de la police. Oui, si on dit assez ça, il faut que la police soit ouverte et menée. Et nous connaissons tout et bien. Le grand pile policier, tout, on est d'accord, moi-même, je connais, grand pile policier, grand pile employé civil de la police, là, qui gagne des compétences et techniques de gestion, mais malheureusement, qui n'a pas de chance d'occuper les postes administratifs dans la police. On va regarder dehors, il faut que nous gardions en dedans les compétences que nous avons. Tout à fait. Tout à fait. La première, on a parlé avec l'ancien Premier ministre Lapin. Réforme structurelle, ça va parler là, c'est extrêmement important. Mais en même temps, tout, on va regarder comme dit. C'est au qui quantité de police qui gagne, et puis pour M. Lapin, a parlé de réformes structurelles en profondeur, ça qui doit être fait et dans la police. Et là, et quand qui gagne, un minimum ça, pour ta connaître combien d'hommes de troupes ou gagne, combien de monde gagne dans l'unité, qui t'a supposé, il y a un bagage qui là, nombre de données pour regarder comment chiffre a évolué, si a augmenté, si a diminué en fonction de réalité, etc. La police qui a démissionné, les policiers et qui a pris sanction. Si la police n'a pas arrivé à faire ça, faire minimum, non? Donc, réforme structurelle, on va parler là, nous on t'y casse loin. Maintenant, question que je voulais poser, M. Lapin, ou même en tant qu'ancien Premier ministre, c'est vrai que réalité est différente, de la mesure où l'autre Premier ministre, ou l'autre Premier ministre, ou le grand président, qui n'était pas été envahissant, et qui était à chevauché à la fois sous le rôle de président que le DIA et Premier ministre, puisque le DIA, je tout le monde. Mais maintenant, avec Ariel Henry, qui vient de trouver 100 président, c'est seul coq qui chantait dans Basse-Croix, seul mal alpha qui gagne dans Basse-Croix. Ça qui fait que la réalité est différente. Maintenant, en tant que chef CSPN que vous avez, qui pouvoir vous gagner sous la police là et comment vous êtes capable de faire passer ça vous voulez ou bien ça vous comprenne vision pour de sécurité sous l'état-major de la police là. Et là, avant de répondre à une question, on va permettre pour te répondre à la réflexion que tu as fait avant la question sur les affaires et la police qui part en mesure pour la quantité. Donc, oui, effectivement. La police, à un certain moment, tu as un document qui va tout donner ça. Donc, par rapport à la situation, ça, je vous dis à là, il pas il fait ça nous arriver ou mise à jour en information. Il y a des nègres dans la police là qui capable faire travail ça. Malheureusement, dans une dynamique de structure d'amitié, si nous permettons de régler comme ça, donc nous pas gagner meilleur mounio dans meilleure position. Donc bref, pour nous tourner à Non, moi-même pardon, bref, nous allons poser la possibilité pour retourner avec les questions posées, mais ça fait plusieurs fois là, on est intervenu, on parle de, on souligne, on saute d'acquaintance qui t'a bien dans la police. Est-ce que c'est dit, on dit que l'administration qui a dirigé la police là actuellement, il fait des mauvais choix et grand-pile d'acquaintance, grand-pile laisser aller la donne dans cette police actuellement? Non. Le général, ça n'a pas daté d'aujourd'hui. On va permettre peut-être que moi je fais un bac en arrière sur le gouvernement et PHTK, le président Makili, lui-même qui a fait une tournée dans la police, là, surtout dans la force spécialisée. Dit jouen en pile plaignant hein, sur le fonctionnement de la police, là, sur la situation policière. Et il était vrai, effectivement,
besoin d'un leadership administratif, comme directeur administratif, effectivement, à l'époque, et là, ça, yo t'ai fait appel à moi-même pour me peut-être sortir d'un poste comme directeur administratif dans le ministère de la Culture, pour me aller comme directeur administratif dans la police, pour nous être capable de porter réponse à la revendication et policier. Donc, malheureusement, le directeur général à l'époque, là, t'es dit que les gagnants, ils ont un policier, un commissaire qui est capable aider le fait de travailler. Donc, réalité a une salia. Donc, il y a traîné derrière des choix de gouvernance administrative en dans la police là qui pas daté et je dis. OK, c'est clair, c'est clair. Maintenant, sous capacité chef CSPN pour lui agir sous décision de la police là. Bon, et si nous prenons moi-même qui dénomme le premier ministre, qui dégage une responsabilité, et d'abord, comme premier ministre AI, et au moins, je n'ai pas pris aucun contact avec la police, parce que dans un mois, et comme premier ministre nommé, qui vient déboucher son pays là, oui, effectivement, j'ai commencé à travailler avec la police, donc, moi, rien. À l'époque, et toute responsabilité et tout pouvoir, et pour moi, orienter particulièrement, ça nous dérélait au programme de sécurité publique. Donc, effectivement, t'es grand le problème, oui, t'es grand problème, faut que nous dire. Moi, t'es venu à nous, la police, qui était par rapport avec Palais National, bureau président, entourage et président, qui s'est ça ne décarre les rougeois et chaque. Donc, moi, j'ai demandé au président personnellement pour lui quitter moi-même en tant que chef CSPN qui a une responsabilité d'orientation de politique de sécurité publique et pour tout le pays. Donc, pour lui rester en dehors du fonctionnement de la police. Oui, effectivement, il était d'accord et ça te permet, moi, dans un premier temps, à chita avec directeur de la police là, pratiquement il y a 2 CSPN par semaine, hein, c'est ça qui était débouché sur des programmes de sécurité publique pour nous développer le pays là, sans casse, hein, et je crois que tout le monde a constaté, et après, pour nous conserver à qui ça, nous avons gagné un programme de sécurité publique et nous avons réglé et programme en toile d'araignée qui te permet la présence de la police, particulièrement sur grands axes qui sont liés, et Pétionville à la ville, Delma à la ville, Kaba à la ville, etc. Donc, le travail là, c'était un travail technique et m'a permis de saluer et grandeur d'âme et grandeur d'ouverture. Directeur général de police à l'époque là, monsieur Gédéon, qui déportait toutes les collaborations. Mais malheureusement, on directeur général qui était arrivé en fin de mandat, côté qui était gagné en pile pression de changement, qui t'a porté autour lui, et qui effectivement t'a abouti à changement ni. Donc, et réalité après, ça y est. Donc, je dis, on a payé conséquences là. Lors président en CSPN, ou que toutes tes volontés en tant que chef CSPN, ou voulez pour que tu aies un minimum de sécurité et pour pays à capable et pour population capable ralentir sauf. Mais lors regarde en face où est où état-major la police là et tout le directeur général de la police nationale là a fait CSPN ensemble avec lui puisque c'est lui-même qui a mené opération yo et souterrain c'est lui qui a bailler l'autre opération mené dans la police là. Lors regarde où est entre ça comme volonté avec ça on va attendre de au état-major la police là, il n'est pas arrivé et collé. Ou qu'on fait énerver ou qu'on fâché. Non. Généralement, nous faisons CSPN, nous entendons sous stratégie. Et nous ne pas critiquer seulement dans le cadre de CSPN, nous avons l'habitude, moi-même particulièrement, chaque dimanche après-midi, dans des réunions privées pour nous préparer semaine
de fonctionnement et la police nationale. Donc, moi, quand on dit, dans un premier temps, effectivement, tu as gagné des petits coups sur le côté, mais, on dit ça au directeur général à l'époque, M. Gédéon, qui, effectivement, tu viens prendre confiance dans l'orientation que le gouvernement a dans les affaires de sécurité publique, dans le fonctionnement et structure de l'État et qui a un rapport avec la police nationale, collaboration qui est tombée au top. Donc, je ne pas croire qu'à aucun moment, sur ça, nous t'entendons, bien entendu, avant de pas jamais exécuté. Donc, je n'ai pas eu reproche ça à l'époque pour me faire à la police nationale d'Haïti. Dans le contexte, il y a un minimum de contrôle qui a gagné et toujours sur l'administration publique. Là, c'est en 2019. Il y a quand même gagné et parlement qui était là, qui a des convocations, et qui a fait des invitations, qui a fait pour munitions, puis il y a répondu à des questions. J'ai dit, on a répondu à des questions et sénateurs et tout. Là, il y a un minimum de contrôle. Je veux dire, là, pas qu'on contrôle, pas qu'on ait organe de contrôle du tout. Pas gagné, ou t'es dit, ou t'es demandé, président, Jovenel Moïse pour le quitter au fait travail. Là, rien n'arrive pas besoin de dire ça, puisque c'est seul lui-même qui chef. Et la police n'a pas gagné tout pour la répondre à une question aucun parlementaire. Comment comprendre la réalité là, entre l'intégrer au minimum de contrôle, avec une chose de la vague, aucun contrôle, tout pouvoir dans mes bon cap dirigeants, et nous ramasser nous avec ça, nous gagnons une chose de la pour un pays qui, Duval cap souligné dans l'éditorial là, gagne chaque jour plus c'est appétant de tentaculio dans tout territoire stratégique et pays. Comment comprendre situation ça, alors que Ariel Henry a tout le pouvoir là actuellement. Bon, tout ça a mené à une grande conclusion. Donc, depuis 24 mois, on a un problème de leadership. Parce que là, face à la situation ça, on est supposé gagner un système de sécurité publique qui a mis en application et qui doit impliquer institution l'État qui impliquait dans affaires et sécurité publique. Donc à ce moment-là, nous avons une sorte de complicité et d'action entre ministère de défense, ministère intérieur, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministère de la justice et direction générale de la police nationale. Donc pas bien ça et c'est ça qui permet que nous, chaque jour, on a constaté que la police a fait des coups au lieu qu'elle rentre véritablement dans l'exécution d'un programme de sécurité publique et de défense nationale. Donc, réalité assez saliée. Je dis encore que au gagné une force étrangère qui vient dans le pays. Donc, ça m'a dit, tout ce que je dis là, ça m'a dit, yon prise en charge des ministères de défense avec un spécialiste dans les affaires et qui gagne, ou bien un monde qui gagne un métier expérience dans les affaires sécurité, demander tout, yon même bagarre dans le ministère intérieur, demander même bagarre dans la sécurité d'État à la sécurité publique, et demander yon ministre de justice avec yon ministre de finance qui connaît que priorité aujourd'hui, n'est pas de bagarre qui est sécurité. Vous évoquez le problème de leadership et qui gagne alors que pouvoir centraliser. Ah ben voilà, c'est d'abord le leadership, c'est pas dans une dynamique de centralisation pour tout bagarre autour de vous-même, non. Et un premier ministre, même s'il dit c'est coordonnateur des actions du gouvernement, mais responsabilité de d'exécution, il va revenir à premier ministre. C'est pour ça que je parle, je parle ça particulièrement. Il faut gagner des mondes responsables. Donc, nous avons besoin d'un leadership dans le moment, un leadership responsable et éclairé, collectif, responsable et éclairé. C'est ça, Jean, que nous sommes capables de faire une solution. Est-ce que ça veut dire dans l'analyse pour
malgré plusieurs opinions souterrain là, sur arrivé force multinationale que le gouvernement a demandé. Il y a des groupes qui estiment que c'est l'armée, la police, cette trilogie, l'armée, la police, population qui a été couvert pour résoudre le problème. Il n'y a pas besoin de force multinationale. Il y a l'autre même qui est allé plus loin pour demander des pays qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Russie pour bloquer force ça. Mais est-ce que vous-même, de lieu de ancien premier ministre, ancien chef PSPN, regarde les situations et l'on connaît quelle situation de quitter la police et comment depuis leur fait quitter, depuis bien avant ça, d'abord des gringoles et tout, situation sécurité et situation de la police, est-ce que vous estimez que c'est inévitable pour nous sortir dans cette année-là, faut gagner une intervention étrangère? Vous écoutez. Le premier bail pour nous connaître, il faut que nous ne pas faire une approche et simpliste des situations. Le fait que nous raté et coupe côté pour nous porter un programme de redressement à la police nationale d'Haïti. Donc, moi, je pense que je dis, il faut que nous regardions. Il faut que nous regardions dans la police. Là. Et effectivement, d'abord, qui ça, la police a voulu dire en termes de quantité, particulièrement dans force spécialisée, qui ça, la police a voulu dire tout en termes d'intégrité, hein, en termes de moralité, et avant que nous disions qu'il n'y a pas besoin une force étrangère ou pas. Parce que ça, c'est important. Nous, on est capable de gagner un état-major qui lui-même a planifié et toute plus grosse stratégie que l'idée doit sortir nos stratégies de police pour la tomber, nos stratégies militaires pour donner réponse à ça qui a passé là. Et dans la police là, si effectivement on va gagner un contrôle administratif surtout dans sa communication, hein, et moi je sais que stratégie ça y est pas pour y accueillir. Donc on la police qui est désorganisée, j'en ai constaté là, on la police qui a agi je dis à sous base de volontaristes. Donc bah quoi que côté nous arriver là par rapport à développement situation gangio et à capable aller même seul pour des réponses effectivement dans un délai qui pas trop long à les situations. Donc, il y a une nécessité, et je dirais, et moi qui dis déjà, il y a 4 mois de ça, pour gagner une dynamique de réorganisation administrative de la police. Donc, c'est une demande de clarification pour nous. Est-ce que nous sommes capables de dire en conclusion par rapport à ce dit là, et que la police n'a pas qu'à retirer le pays dans sa ligne là pour continuer? Vous écoutez. Nous, Claire, nous allons expliquer. Je dis pour qui ça, je dis là, faut que d'abord, nous rétablir la police là, administrativement, côté gagner une hiérarchie. Un bon exemple clair, je dis à la, tout le monde connaît, il y a des policiers qui travaillent dans l'Ouest, ils vont en province, ils ne pas aller. Donc, mon problème de hiérarchie administrative dans la police là, il n'est pas forcément au état-major, il n'est pas forcément directeur général, mais il y a un problème au niveau de direction institutionnelle de la police. Pour nous regarder qui ça lié, pour nous comprendre, et pour qui ça que la police a parlé. Il faut que nous nous racontions. Et il y a un programme, l'organisation administrative qui m'a parlé à tout. Il faut que nous portions réponse pour la mesure, pour nous porter réponse à situation sociale, la police, là. Donc, il n'est pas normal que le gouvernement annonce, il y a 3 ou 4 mois de ça, qu'il est disposé de 23 milliards de dollars pour son programme d'apaisement social. Pour le programme d'apaisement social, ça va être 23 milliards de gouttes pour apaisement social. Et le programme d'apaisement social, ça, pas commencé et déjà arrivé dans la police, là. Parce qu'il faut nous une situation familiale, et la police, là. Faut que nous ayons des policiers qui étaient habités dans la zone des non-droits, qui aujourd'hui ont obligé de quitter la zone-là et qui dominent la machine. Faut que nous regardions tout ça. Faut que nous regardions tout. Qui ça, assurance santé policier, aujourd'hui, que c'est moi-même qui t'ai formalisé
avec un groupe médical. Hein? Est-ce que jodi a existé toujours pour les policiers ou blessés dans l'exercice fonction yo, hein, qui ont un côté à grand soin? Il faut regarder tout. Qui ça la pire, un policier victime non, pendant que la exercé et fonctionné pour les défendre la nation? Tout ça, c'est une organisation administrative qui est Kambaouli. Donc, un policier qui n'est pas en état d'esprit, hein, et socialement, on va demander pour la rentrer dans la bataille côté qui gagne un peu de risque là-dedans. M'a retourné avec la question maintenant. Donc, clairement, la police n'est pas capable de sortir pour contre lui. Il a besoin de coup de main et PM Lapin. Oui, la police a besoin de coup de main. Malheureusement, pour des raisons diplomatiques ou géopolitiques, genre, il n'est pas capable, l'armée, non, qui disposait d'abord d'informations, mais une quantité d'hommes de troupes qui prêts pour travailler. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans paramètre ça. Donc, il a besoin de coup de main, effectivement, pour lui sortir du pays à la salle. Et pendant que des coups de main là, on a besoin effectivement d'une dynamique de réorganisation administrative de la police. Pour coup de main, ça pas durer et plus longtemps et pour la police capable en mesure pour les reprendre et contrôler la situation dans ça, moi, je me souhaite dire d'aller dans une dynamique de une force de sécurité publique et de défense nationale. Maintenant, et tu bénis et permettre moi rapidement et PM l'autre a parlé de et changement ou bien et nettoyage qui doit être fait dans niveau et communication. Est-ce que tu as parlé de communication la police là avec public là ou bien communication à l'interne? Non, là, on communique, un système de communication qui lie à une stratégie d'opération. Ah, là, okay. On parle de radiocommunication. Le système de communication général, qui vient la police à communiquer avec troupes qui est contrôlé. Et là, parce qu'à chaque fois, nous devons attendre que. Gagné des policiers calés dans bataille, hein, qui dans opération, et puis tous les gars vont côté au besoin backup, et après les soirs, ils ont demandé backup, ils ont pas besoin backup. Ça a passé récemment, il y a quelques mois, dans Pétionville, là, hein, la tête de l'eau, côté qui était, il y a trois ou quatre policiers qui étaient morts dans la situation, qui tapent bataille, et qui demandent des renforts, et qui pas besoin de renforts. Et c'est à travers la radio-communication qu'on a demandé l'enfant. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il m'a parlé. Est-ce que vous avez une communication fiable tout et regardez l'expérience ou soit étendue? Donc l'évaluation qu'on a le baoul, c'est dynamique pour l'organisation administrative là, c'est l'évaluation c'est ça qui va le baoul, tout son dire. Est-ce que vous êtes au bon, est-ce que vous méritez? Est-ce que vous n'avez pas infiltré? Est-ce que vous avez remplacé, sous qui? Est-ce qu'on va infiltrer? Il y a tout ça. Et qui va infiltrer? Et qui est-ce qui a un code de communication? Qui a un code de communication? Et distribuer, etc., etc. Donc, tout ça, par exemple, l'autre bagage qui est à Baoul, qui est un programme de réorganisation administrative de la police. OK. Vous dites, qui dit, payole la police là pour combien de monde? Question de gens. Ah bon, là, question qui est compliquée, et ça, c'est peut-être la police là qui t'a dit, ou bien le ministère des Finances, qui est même bien chiffré, qui a dit, la police là, mais combien de monde qui le paye. Mais il faut me dire tout, et si nous regardons dans le long terme, dans le cadre d'une nouvelle orientation de gestion pays, et comme donc la police là gagne une direction qui gagne qui occupe les circulations et véhicules il y a donc son direction s'il organisé s'il bien organisé administrativement qui capable rapporter et la police là en pile cob non seulement beaucoup de pérolis ni tout pour porter plus privilège à policiers. On est
Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.